Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle course. On se lance à Écouves pour le Cani VTT Cours avec Texas. Et c'est parti pour la vidéo. Ok, c'est bon. Ok. Ok, go. Et c'est parti, départ en mode fusée avec Texas. On commence ce parcours avec une très longue ligne droite. Ligne droite, mais une ligne droite boueuse comme vous n'avez jamais vu. Quelle idée d'aller faire une course en période pluvieuse. Pour le coup, on a été servi. Personnellement, j'adore ça. Ça rajoute un petit truc à la course et c'est génial. Devant. Attention, fossé en approche, vaut mieux avoir des freins. Devant. Devant, ok, on relance. Allez. Ok. Allez. Devant. À droite, expect, droite. Ok. Allez, devant, allez. Ok. Allez. Ok. Allez. Gauche, ok, allez, devant, merci, devant, allez, maintenant devant, ok, allez, droite, excusez-moi, j'ai fait, allez, vas-y, ok, relance, ok, allez, on relance, okay. Gauche, et droite, ok, tu relances, allez, ok, à gauche, en train de monter, il y a clairement un petit bouchon qui s'est formé, on passe tranquillement, c'est parti. Cette partie du parcours, elle est juste magnifique, regardez-moi ça, vraiment, c'est d'une beauté. Et pour mon plus grand bonheur, une très longue partie technique en descente entre les sapins, très serrée avec des racines en longueur. Cette partie du parcours, elle était absolument géniale. Et maintenant, on va longer tout ce vallon pour retourner vers l'arrivée et pour arriver sur les dernières très grosses parties techniques où on a fait une petite erreur avec Texas, vous allez voir, même plusieurs erreurs en fait.
En témoigne cet extrait. Allez, balance. La petite subtilité que je n'ai pas évoquée, c'est que je ne roule même pas avec des pneus très crantés, avec des pneus faits pour la boue. Moi j'ai des pneus été en fait, c'est ça qu'il faut pas oublier. Voilà une des grosses parties techniques de ce parcours. Et petite erreur de ma part, je me suis trop concentré sur mon pilotage et je n'ai pas indiqué à Texas la direction à prendre, d'où voilà ce qui s'est passé. Ok, on relance, super, voilà, allez, oui, allez, 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 on relance, allez, allez, on attaque, ok. Et on se rapproche maintenant à grands pas de l'arrivée. Va-t-on décrocher cette victoire tant attendue? Regardez. Il fait froid. Allez, on récupère. Et pour revenir au résultat, parce que oui, qui dit course dit résultat, forcément. Très bonne course, assez satisfait globalement. On se classe donc à la première place. On a un petit peu d'avance quand même. C'est un parcours qui ne convenait absolument pas à Texas. Voilà, Texas c'est un chien qui aime les parcours où c'est rapide, où ça fonce. Là c'est vraiment un parcours très technique. Il y a beaucoup d'à-coups dans le harnais, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas très fun. Avec Mia ça passe très très bien ce genre de parcours sans problème. Texas c'est vraiment, c'est une Formule 1. Lui, ce qu'il aime, c'est aller à fond. Aller à fond, c'est faire des pointes à 35-40 pendant la course et maintenir une vitesse moyenne de 30 km/h. Voilà, ça, c'est Texas. Donc, un parcours qui ne le convenait pas, mais tout de même, il a quand même apprécié cet effort. Donc, c'est vraiment le principal. Maintenant, on est à quelques jours du fameux championnat de France. Je pense qu'on est prêt, notre duo est prêt. On verra bien ce que ça donne. Lors de la course que je vous ai présentée aujourd'hui, on a également fait le canicross avec Mia. Donc prochainement, vous verrez également cette édition de cette course, mais en canicross. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Et sur ce, ciao ciao.